Bon, salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura certainement pas de montage ou très très peu. Petite vidéo bah, pour vous tenir au courant un peu de la moto, parce que là avec j'ai pas trop eu le temps, j'ai reçu pas mal de pièces, j'ai dû tout monter et après j'avais plus d'essence, donc du coup j'ai dû aller en chercher et bref. Donc là j'attends encore un peu, je vais recevoir encore quelques pièces que je vais monter pour être au moins minimum légal, parce que j'ai mon... Donc là, je dois monter une nouvelle ampoule à l'avant. Parce qu'elle avait grillé sur mon ancien montage, elle avait grillé. Du coup, maintenant, elle marche. Qu'est-ce que j'ai monté depuis? Alors, je sais pas si je vous avais montré, mais du coup, la pédale Conti, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Une Durit bleue Carenzi, je crois que c'est vrai. Que j'ai monté, alors voilà, j'ai monté des protèges levier. Bleu, enfin bleu, petite anodisation bleue sur les bords. Bon, ça c'est du AliExpress, hein, c'est 3 euros. Un levier de frein Mokila, voilà, avec la petite cocotte et tout ça, c'est un diamètre 19, je crois, ou 16. Donc, c'est les pour le gros freinage, c'est un frein avant radial quoi. Il est vraiment magnifique, donc ça change vraiment tout le poste de pilotage. Vous avez pu voir sûrement que j'ai rajouté aussi ce petit map 1, map 2, enfin en gros cet interrupteur de guidon de chez Most. Alors j'ai pas de PVL, mais c'est surtout que ça me sert pour les lumières en fait. Comme je vous ai montré sur l'ancien montage, j'avais monté deux interrupteurs ici. Ils y sont toujours, mais ils sont factices, ils fonctionnent plus. Et donc du coup maintenant, interrupteur au guidon que j'ai trouvé. Bon, c'est un peu cher, j'avoue que par contre... on se fait bien niquer aussi là-dessus, mais par contre voilà, quand tu l'actives, ben, bon, la moto est pas en route, mais en gros quand on l'active, bam, ça active les feux, et quand donc c'est vraiment je trouve ça vraiment bien quoi. Voilà, alors j'ai changé la pile aussi, voilà. Bon ben, je peux remarquer la température de la moto qui est très bonne, hein. Elle monte assez vite, mais en même temps avec les j'ai mis avec les radiateurs là, qu'il y en a un qui est bouché, ça monte assez vite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai changé l'huile de boîte. Bon, je l'ai fait assez tôt, mais elle avait 100 km, 150 km. Bon, c'est très très tôt, mais d'habitude je fais pas autant. Mais là, je voulais vraiment changer pour voir un peu l'état de la boîte au premier montage. Mais ça va en fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Oui, bah du coup, ça. Tant qu'à faire, j'ai aussi changé l'eau qui était à l'intérieur. C'était de l'eau déminéralisée. J'ai mis du liquide de refroidissement, comme ça bon, je suis sûr que ça va pas geler. Et puis voilà, après je suis pas grande nouveauté, voilà. Donc comme je vous ai dit, bah, je vous tiens au courant aussi pour dans la prochaine vidéo. À chaque fois je revois ça à la prochaine vidéo, mais c'est parce que je préfère vous tenir au courant un peu. J'ai rangé mon atelier aussi, hein. J'ai mis toutes les pièces. J'ai des pièces avant aussi, si jamais. J'ai ma housse de Selmost, j'ai un levier de frein avant FireU. Je vais vous sortir. Tac, celui que j'avais sur mon ancien FireU, je le mets à 20 balles. J'ai un peu tout, j'ai une pompe à huile, une pédale de frein Derby, j'ai un faisceau électrique complet avec le régulateur de tension. J'ai beaucoup de pièces, j'ai même des pièces de booster, j'ai un allumage complet Derby Origine avec sa platine, etc. J'ai pas mal de trucs, donc demandez-moi si vous voulez. J'ai aussi des bavettes, des garde-boue, des plaques phares, tout ça. Voilà, donc proposez-moi. Loose de sel, vraiment, je la fous à 35-40 euros avec frais de port, et voilà. Donc je vous tiens au courant. Peut-être que la prochaine vidéo, je sortirai avec. Faut juste que je mette mon nouvelle ampoule. Parce que, voilà, je me suis fait... Parce que, déjà fait arrêter là avec, et c'était un mec qui est un policier plutôt sympa. Il m'a juste dit de faire attention pour mon truc avant, mais de toute façon il a bien vu que j'avais les rétros, que la lumière était présente. J'ai juste dit que, enfin, je lui ai dit de façon que la vérité que c'était cramé, mais de toute façon il a vu que tout était présent, la plaque, etc. Dans ma ville, ils sont plutôt sympas, ils évitent, et puis de toute façon ils me voient pas souvent. En général, je suis en dehors de la ville, donc voilà. On va rester pour une prochaine vidéo. À plus. Oh non, le truc AliExpress!